Bonjour Monsieur Escaut. Bonjour Madame Bessac. Allez-y, asseyez-vous. Merci. Voilà. Alors, je suis ravie de vous accueillir dans mes locaux aujourd'hui, hein. Je vous remercie. Je vois qu'il est 9 h pour votre ponctualité. C'est pas toujours le cas des hommes que je reçois, à croire que c'est un trait de caractère. Bref, alors, l'objectif de notre entretien aujourd'hui, c'est de voir dans quelle mesure vous seriez en capacité d'exercer le métier que je vous propose. Ça vous convient? Oui, très bien. Je suppose que si nous sommes là aujourd'hui, c'est que mon parcours a retenu votre attention. Alors pour tout vous dire, j'ai plus l'habitude de recevoir des femmes naturellement à ce poste, mais si j'ai accepté de vous voir, c'est pour des questions de budget. Ah bon? Qu'est-ce que vous entendez par là? Bah, vous savez tout de même, les hommes sont en moyenne payés 20% de moins que les femmes, donc on me demande de faire des économies, donc j'ai pensé à vous. Justement, on pourrait profiter de mon recrutement pour inverser les choses. Ah mais non, c'est une tradition depuis des décennies que les hommes soient moins payés que les femmes à poste égal. Donc je veux pas être celle qui a tout fait foirer, donc je veux pas me mettre à dos mes supérieurs, les femmes de mon entreprise, vous y pensez pas, François? Non, mais naïvement, je pensais que à travail égal, salaire équivalent. Mais je n'avais pas vu votre photo, vous êtes mignon François sur la photo. Par contre, vous paraissez moins mat de peau, hein? Vous êtes de quelle origine? Écoutez, je ne vois pas ce que ceci fait dans cet entretien, mais puisque vous l'évoquez, je suis français d'origine. Ce sont mes grands-parents qui sont jamaïcains. Ah, d'accord. Pourquoi? Bon, c'est une question comme une autre. Là, la question, par exemple, que je vais vous poser, qui me semble importante, c'est comment vous allez vous organiser familialement pour exercer ce métier, je veux dire, pour l'aide aux devoirs, récupérer les enfants, préparer le repas pour la famille, qui est le job d'un homme. Hein. Comment vous allez faire ça? Je suis vraiment obligé de répondre à ça. Écoutez, je pense être organisé. Mes compétences pour exercer la fonction que vous me proposez sont, je pense, réunies. Je suppose que. Écoutez, mon expérience va dire que ça va être compliqué pour vous, François, d'exercer ce métier. Je pense que cumuler toutes ces activités, les enfants, votre job, ça va être compliqué, je pense. Donc, passons au point suivant. Est-ce que vous avez des projets personnels, de vie de famille, des choses que je devrais savoir avant de vous embaucher? Vous voyez ce que je veux dire? Non, je ne vois pas ce que vous voulez Hein? dire. Eh bien écoutez, vous savez comment sont les hommes, ils nous disent la moitié de ce que l'on veut savoir. Je ne sais pas, peut-être qu'à votre âge, vous avez peut-être envie d'avoir des enfants. Oui, écoutez, j'ai la chance d'avoir des enfants que je garde une semaine sur deux, mais je vous le redis encore une fois, ma détermination pour ce poste est pleine et entière. Je suis quelqu'un de fiable et engagé. Vous pouvez faire appel à mes précédents employeurs qui vous le confirmeront. Non, mais pas besoin. Enfin, je connais ces situations de garde alternée. Concrètement, vous êtes pratiquement à mi-temps, quoi. Bon, vous n'êtes pas très clair sur le sujet. C'est pas grave, passons. Non mais madame. Bah, c'est très agressif, François. Vous détendre, hein, parce que si vous avez cette attitude envers nos clients, ça va être compliqué, hein. Bon, ce que je vous propose, François, comme je vois d'autres candidats dont certains ont d'aussi jolies photos que la vôtre sur le CV, je reprends contact avec vous et je vous rappelle. Vous Ça vous pensez me convient? rappeler rapidement? Nous sommes en François, faut pas confondre vitesse et précipitation. Hein, j'ai dit que je vous Mmh. rappelais, je vous rappelle. Très bien, merci, au revoir. Surréaliste cet entretien. Qu'est-ce que ça aurait été si j'avais été gay? Et pourquoi pas gay, de couleur, une femme en situation de handicap? Il y a encore du boulot.